euh, et Gnaoui, quelle culture Très intéressant aussi. Euh, pas tr alors, euh, historiquement, on sait pas très bien. Euh, on pense que c'est entre le Soudan. Euh, enfin, ce qui est sûr, c'est des esclaves. Enfin, c'est euh, nos frères ah. africains qui ont été euh, tournés à l'esclavagisme euh, et qui étaient euh, en fait euh, capturés euh, entre le Soudan. Euh, le et toute la région du Soudan et euh, qui est transité donc via l'Algérie le, euh, par les Touaregs et tout ça et remonté jusqu'à Bab -Gnawa, euh, vers le Maroc euh, donc euh, les, vers les ports euh, pour oui. être euh, vendu euh, comme esclave euh, en Europe et euh, <coughs> et surtout aux États-Unis euh, voici une, une une date qui se célèbre différemment aujourd'hui mais qui est une date qui reste marquante lorsqu'on parle de d'esclavagisme. Exact, et... exact, exact. Et c'est pour ça qu'on en parle. Euh... C'est le fameux... Black Friday. Yes les designers quand yeah. même préparez yeah. vos portefeuilles. Préparez... <laughs> Parce que je vous rappelle, on était en train de parler d'esclavager. Préparez vos portefeuilles, préparez euh, vos bons, vos listes d'achat, vos listes de vœux, vos listes exact. de mariage, vos cadeaux. C'est bientôt le Black Friday, euh, la période Black. de l'année où les consommations, où le chiffre de consommation explose, notamment sur les sites e-commerce. Voilà, donc c'est Black Friday, ah oui, aussi okay. en Algérie. Triste ouais, le, commémoration, enfin aujourd'hui ça a été. Alors oui, il y a des gens sens, qui ne savent mais bon. pas, tu pourras raconter l'histoire rapide, mais euh, c'est le 29 novembre, Satan Inch'Allah. Ouais. Euh, je ne sais plus s'il si faut dire Inch'Allah dans un truc comme ça. Bah, euh, Inch'Allah, parce que bah, si, si Dieu ne va pas, il n'y aura pas de 29 novembre. Ah, t es, t es, oui, Inch'Allah <laughs> par rapport au 29 novembre, mais <laughs> pas par rapport à l'histoire, mais bon. Alors juste parenthèse, que des gens ne connaissent pas forcément. Maintenant, la respiration. Euh, donc, tout le monde connaît l'esclavagisme noir, euh, le body al-Souda, je ne sais pas si ça dit comme ça bien, euh, Mais peu connaissent l'esclavagisme blanc, le body al Et, Je dois donner, ils ont participé à cette merde. En fait, euh, on estime qu'à peu près un million d'Européens ont été turned to slavery. You know? From in the, I mean, uh, let's say in 100 years or 200 years at the, at the end of the Ottoman Empire. Uh, and in Algeria, uh, the city of Algiers, so before having Algeria as a city. I mean uh, the country. Uh, we had the city of Algiers, and the city of Algiers was known uh, about the corsair, uh, and that guys was taking the boat and going until uh, Norway, uh, Netherlands, and they did things named the razia, razia, and they. Uh, took all the people from there around 400 people from the city and go back to algiers uh, turn uh, kill the men turn some of them to slavery if they agree to be muslim uh, turn the women to Sexual slavery and turn them to Islam, and the youth and the children turn them to Islam and uh, use them as ghulam uh, or as uh, children, military guys, something like this. So, something uh, happening, I don't know what. Uh, this oh, it's very strange. Donc, euh, il faut savoir que nous avons été des pirates qui kidnappaient des razias. En fait, euh, on estime que euh, les, les corsaires euh, euh, que nous étions euh, sous bannière ottomane... En pas à peu près un million de personnes européennes et qu'on avait tourné à l'esclavagisme. C'est connu, hein, c'est des nordiques ou qui c'est des blancs nordiques. Enfin, C'était un, un Irlandais, enfin pas un Irlandais, un Norvégien ou un... Euh, euh, toutes les petites îles qui sont autour de, de la Norvège, Anko, euh, et, euh, ou un Finlandais, voilà ce que je cherchais. Et euh, très intéressant aussi. Euh, c'est... Euh euh, c'est de j'ai perdu le fil idée. bon bref bon écoute je vais rebondir en disant peut-être euh, quelque chose bon je... évidemment aujourd'hui à notre époque euh, l'esclavagisme etc sont des choses totalement euh, inadmissibles ah oui je crois que c'est inimaginable inexistence. Inexistence. Bah, inimaginable bah, non non je pense que ça existe, existe encore bien bah, entendu okay. probablement. ça si s'est ce... passé au Lib... en Libye euh, même sous d'autres formes et même dans même le, sous le sous sud de l'Algérie dans certaines régions mais où... je pense aussi qu'un euh, million et je crois que l'équivalent black c'est 700 millions non non l'équivalent black c'est 700 millions donc c enfin Haja bon, m'a euh, 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 justifié rien ne justifie l'autre historiquement il bon. faut savoir que mais je pense que si on doit parler d'esclavagisme on va parler d'esclavagisme envers les, les ah non bien sûr il n'y a pas y a, on n'est pas dans les la les on n'est pas dans la logique de la, la qui a souffert le plus non, ben, genre peu importe tout le monde c'est pas normal je crois peu importe mais les, yes. nos, nos frères africains et moi je suis africain comme tu l'es mon ami man smash euh, c'est aussi simple que ça et juste d'aller voir ce que le fil de de, de Chiradou l'a dit et un des plus célèbres personnages qui se sont retrouvés esclaves blancs dans les Geôles d'Alger, à un moment donné, c'est le fameux Cervantes. Voilà. Je, oui, euh, un des euh, personnages euh, connus. Et euh, on dit que euh, dans Jichotti de la Mancha, euh, son fameux, sa fameuse pièce de théâtre, lui, euh, son, son idée de, de l'écrire a commencé dans les Geôles d'Alger. Voilà. D'accord, okay. Voilà. ok. Bon. Alors, mais pourquoi on parle de tout ça Pourquoi on a commencé Black Friday et tout parce ça Parce que, que c'est Black Friday. Parce que c'est le Black Friday qui s'en vient un grand pas et que beaucoup de gens ne connaissent pas le, le côté historique du Black Friday, que ça s'appelle Black euh, Friday parce que c'était le marché. Euh, euh, des des blagues. Blacks. C'est blacks, voilà, voilà. le jour de marché pour acheter des esclaves. Voilà, pour acheter au et et en plus, on te faisait des bons prix, euh, fr Friday, etc. C'est le jour où on liquidait. Voilà, des de liquidations sont-elles Eh voilà. voilà. Bon, Aujourd'hui, bon, aujourd c'est différent, bien entendu. Mais par contre, il y a effectivement aujourd'hui cette tendance, enfin je veux dire cette date qui est très importante pour tous les acteurs du euh, commerce en ligne. Euh, dans le monde, c'est des chiffres mirobolants, hein, C'est extraordinaire euh, les volumes qu que, que les gros sites marchands, notamment euh, Amazon, sont des chiffres extraordinaires. Maintenant, si on compare Amazon à ce que fait euh, Alibaba <laughs> à la même euh, période, <laughs> voire euh, ah, un ouais. petit peu avant, ouais, ça n'a rien bah, à bah, voir. Bah, en fait, ça n'a rien à voir. Les... Alibaba explose tous les records. C'est vrai, c'est vrai. Alors juste pour, pour euh, dire aux copains, Alibaba euh... le groupe. Hein. Euh, Alibaba les monsieur les, les, les voleurs. Le groupe chinois, merci. Donc, je disais euh, en fait, euh, l'idée, euh, euh, on a commencé à parler de ça parce qu'on se disait, ouais, ça serait intéressant parce que j'ai fait une communication et aujourd'hui, on va rester sur l'historique. Ah, enfin, je veux dire, maintenant. Non. La, la tendance Black Friday yep. a, a paru récemment en Algérie oui quoi, voilà bah, c'est ah. comme ça que nous parlons de la jeunesse c'est le sujet que nous parlons de Black Friday parce que j'ai fait une communication il y a quelques jours à l'Avron à l'université de Bida 2 une journée de communication avec euh, sur l'entrepreneuriat comment choisir son esclave euh, enfin, enfin, arrête en plus c'est des uh, my American friend my American Afro-American we are just uh, trying to speak about history and what happened and let people Understand. ça euh, oui donc euh, du coup on était à à, à, à la et euh, euh, je voulais faire une communication que, que j'avais déjà faite il, il y avait quelques mois euh, sur les unicorns euh, les licorn, ouais. euh, les, euh, les startups qui sont valorisées à plus d'un milliard de dollars et euh, en Afrique euh, en, enfin la, la la question que je posais is there uh, will we have a first uh, like unicorn in Africa ça so, oh, et c'est là où je disais, bah, déjà oui, tout le monde s'accorde à dire que l'Afrique commence ou a déjà sa licorne, et on pointe du doigt Jumia. Alors ce qui est très très intéressant, c'est que Jumia a commencé à Lagos, au Nigeria. Euh, je rappelle qu'au Nigeria, c'est 200 millions de personnes, ça hein, a marché de ouf. Euh, sauf que les deux fondateurs sont des Français des Canadiens, enfin des Français, des Européens pour faire rapide. Euh, ils montent la boîte que ici, mais ils font un, 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 un comment dire un, un, un en Allemagne. Euh, ils, sont, euh, ils lèvent des fonds euh, dans euh, Goldman Sachs, AXA, Orange. Euh, dans l'écosystème euh, voilà, allemand. Euh, à, allemand, mais aussi Goldman Sachs, encore. Hein, voilà, je veux, US. Euh, et il font une entrée en, en, en bourse en mars 2019, et ils lèvent donc entre temps, ils avaient déjà levé 600 millions de dollars en, à partir de 2012-2019, donc à peu près en 7 ans. Euh, euh, oui, c'est ça, en 7 ans. Et ils lèvent 200 millions de dollars en bourse en avril. Et du coup, ils sont aujourd'hui à 800 à peu près à 800 millions de dollars euh, euh, de, capitalisation. de capitalisation, pas de valorisation, de capitalisation. Alors, mais ils font pas de, 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 de comment dire de bénéfices. Et ce qui est, mais ce qui est rigolo dans l'histoire, c'est qu'on dit que c'est la première start-up euh, africaine qui n'a rien d'africain, mis à part le fait qu'elle est sur le sol africain, et qui, eux, ont su voir les capacités du, ou les opportunités du marché africain. Nous sommes 1,3 milliard. Permets-moi de te plus. contredire. Ils n'ont pas su voir, puisque je pense que beaucoup su, ils ont, ils ont pris la, le challenge. Ils ont, ils, pris, voilà. là, là. ils ont pris le risque de mettre des pépettes. N'oublions pas que c'est une entreprise qui est, en est déficitaire depuis oui. le début. Ah, elle n'a jamais. Euh, elle a jamais sur deux, euh, demi, alors, pour vous donner un ordre d'idée, sur 2018, ils ont fait euh, à peu près. Euh, J'arrondis les chiffres. 1, ils ont fait 150 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et les dépenses ou les pertes de cette année, c'était de l'ordre de 195 millions. Oui, à cette échelle-là, et lorsqu'il y a des fonds d'investissement, oui, on, on a bien compris que le, la rentabilité ou. Où, où la cagnotte euh, se faisait au niveau de la revente. Exact. Ah, donc, l'objectif de, de Jumia est d'être vendu un jour. Exact. Et ils, sont, ils sont présents. Alors, juste pour dire. Et, euh, et, et à qui, alors, à qui alors, non. Izama, ils disent non. On n'est pas dans une logique d'être acheté par Amazon ou AliExpress. Ouais. Puisque Alors, ce qui est très intéressant, c'est sur le marché africain, ils sont présents sur 14 pays. Ils visent 17 pays. Euh, leur, ils n'ont plus de concurrents. Ils, sont, ils avaient euh, Carrefour, ils avaient euh, je ne sais plus quelle plateforme aussi euh, d'e-commerce, e -commerce. mais tout le monde a fermé euh, descendu le rideau. Après, euh, le Amazon a fait une tentative en rachetant une start-up euh, égyptienne, si je ne dis pas de bêtises. AliExpress a fait une entrée sur un pays euh, africain aussi. Ils sont euh, en enfin, train de faire des tests. on me dit Amazon. Et je pense que c est, c est... À la vitesse où ça va, ils ont raison. Hein. Ça n'a pas de sens de se faire acheter par Amazon. Il y a comme l'Afrique ou le et il faut qu'ils se différencient. Ils ont une longueur d'avance maintenant par rapport à ah, Ils ont une longueur d'avance. Ils sont bien installés, je... mais c'est quand même, comme tu dis, je ne connais pas moi les chiffres, mais près de 200 millions de dollars de, de pertes par an. Ah oui, oui, oui c'est atroce. Euh, en plus, là, on les accuse. Il y a eu une étude. Bon, c'est pas très très fiable. Il y a une grosse bagarre en ce moment. Mais comme quoi, ils auraient un peu bidouillé les chiffres de parce qu'en fait, on estime que les retours de colis, euh, parce que vous voyez, des delivery. Mm -hmm. Et il a même développé son système de paiement Watanik. Hein, euh, Mais bon, on estime à 41% des retours des, des colis en, en non payés qui est énorme, c'est-à-dire qu'il te dit j'ai euh, tant de ventes, euh, j'ai 80 000 euh, colis, nanana, et au final ma baham, euh, 80 000, 40%, les donc c'est un vrai problème. Et c'est pour prendre à parler de tout ça parce qu'on était en train de dire bah euh, une licorne, c'est bizarre qu'elle soit pas africaine, et après euh, tout ça en disant mais oui euh, au final, pour eux, il y a un, une date très importante qui est le Black Friday qui est aux portes. Donc pour un, et c'est comme ça, nous les Algériens, qu'on a découvert le Black Friday, c'est via Jumia, euh, je crois que c'est surtout sur l'année dernière où ça avait fait le buzz en 2018. En tout, en tout cas, j'ai cru comprendre que les ventes au marché extraordinairement bien, que le Black Friday marche, fonctionne très bien en Algérie. Oui, Après, il oui. n'y a, a pas de surprise. Hein. Le oui, Black Friday, c'est euh, la période de l'année où il y a prix, 20, 30, euh, 40, 50% de remise sur les produits. Exactement. Donc, euh, donc on liquide et on s'en va. Quoi. Exactement, exactement. Alors, ce qui est intéressant, j'ai vu quand même l'année dernière sur les réseaux sociaux, euh, euh, type Facebook Co., où euh, la communauté, a, ben, je dirais pas tout le monde, hein, mais quand même les Algériens, ont réagi en disant Mais vous savez d'où ça vient Black Friday nanana. Ils ont relayé l'information en disant euh, le, le côté négatif, dégueulasse euh, du Black Friday, je ne comprends pas ce on a gardé cette appellation de, excusez l'expression, de merde, euh, qui fait référence à des centaines de millions de personnes qui ont souffert et, et qui souffrent encore, hein, parce que là. Oui, bien euh, entendu. Mais bon, c'est fondément ancré. C'est euh, comme ça. Moi, je pense qu'on on, on ne peut pas débattre de pourquoi avoir gardé ce nom. Puisque, non, non, bien sûr, euh, c'est un, euh, héritage, un oui. héritage qui, qui arrive. Aujourd'hui, ça a tout autre sens, exact. toute autre connotation. Pour les jeunes dire, de, de, de 18 ans, on ça chose, ne me là, hein. on, 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 on en parle juste pour évoquer un petit peu un petit ah, peu bah le sujet et tout, vrai. mais en réalité le sujet c'est les ventes. Exactement. C'est les ventes au commerce vrai. sur les sites de et commerce sur électronique, ce, sur page-là. Ce c'est ce qui est intéressant puisqu'on... Et je pense que comme ça on pourrait donner une sorte de petite... Clôturer, on en reparlera dans une petite capsule. C'est cette logique de sur internet comment euh, à faire de l'attraction et euh, de la conversion. Euh, et le Black Friday, c'est un bon modèle d'attraction et, et de conversion. C'est-à-dire que euh, comment je t'attire vers moi, comment je te transforme. Euh, attraction euh, bon, et bah, activation. Bla Black Friday, c'est les seuls commerces électroniques. C'est tout, voilà, exactement. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais Tu sais que je vais faire le Black Friday. Donc, enfin, je pas, que du, pas du commerce électronique, non, mais, oui, mais je veux euh, dire qu'il est largement adopté. Mais c'est surtout les gens du, du web, même, web qui, ouais. qui, ont, qui ont mis le paquet. Donc je, je t'attire, euh, je te transforme en te faisant acheter une première fois. Je, euh, et après, la, la logique, c'est je te retiens. Ah. alors ce qui est très intéressant c'est cette logique de Black qui est une logique purement marketing et normalement nous les start-upers euh, d'aujourd'hui on est un peu différent parce qu'on est dans une logique plus euh, itérative et plus euh, comment dire, bâtie sur la, le churn le, ben, le toi tu, 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 tu es en train de combattre le churn et en fait la logique c'est de dire bah, avant de me lancer à faire de l'attraction et de la conversion donc euh, de l'attraction-activation de, de mon client. Là, je suis en train de parler en forme fin du, du, du framework AAA. -A 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 -A. Euh, donc, euh, au lieu de réfléchir à ce que les marketeurs ont qu fait, qui fait l'intérêt ou qui fait l'intérêt de leur client, hein, le plus important, c'est la troisième étape, qui fait garder cest à la rétention, il ne pourra qu'il en marketing. marketing, on te dira que c'est le deuxième achat qui compte. Exactement. Mais aujourd'hui, dans le monde des startups, on dit quelle est la stratégie de rétention que je vais mettre. Et après, je reviens en arrière en disant, sur la base de cette stratégie de rétention, on va ce que je vais faire comme activation et on va que moi, je vais les attirer. Et je teste. Et je et je reteste et je vois si je suis sur le bon chemin. Sinon, je reteste un autre truc. On a dit à la capacité. Parce que dans la logique technique, c'est ma Friday, Black Friday. Il se peut que c'est une limite. Regarde les soldes, comment sur certains, il y a une limite à un moment donné. C'est ce qu'on appelle une niche. Dans donc dans la dans la la, la, la rétention, on peut trouver des niches, c'est-à-dire que ça va fonctionner à un moment donné. On dit ah oh, putain c'est bon, on a trouvé l'astuce, c'est bon. Euh, 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 comment dire Banco, euh, non pas Banco, Bingo, Bingo, merci. Banco, Banco, Banco. Et oui, on a eu comme d'habitude. On a démarré les en fin de semaine, mais on a fauché le début de semaine. Mais tu me diras même le début de semaine vu dans notre angle, c'est un fin de semaine. Reviens. Donc je disais, euh, donc du coup. Euh, mais une de, de la rétention, donc il faut faire très, 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 très attention. Parce que parfois, on dit, ah, ouais, c'est bon, on a trouvé le truc, donc on remet de l'argent pour, euh, tu vas refaire le même scénario. Et putain, ça ne veut pas fonctionner ou ça fonctionne toujours à la même hauteur. À qui profite le Black Friday Mais à qui profite le crime <laughs> C'est la vraie <laughs> question. À qui profite le Black Friday Dans la chaîne, dans, la, dans toute la chaîne de valeur de... Alors, <laughs> je vais te faire euh, Moi, je, vois, <laughs> je travaille chez <laughs> du commerce. Oui, vous savez, euh, le Black Friday va profiter à tous les commerçants que nous accueillons sur notre plateforme. Ils sont de 80 personnes, essentiellement tous des Africains, euh, des petits coursiers. Euh, <laughs> donc euh, vous comprenez que nous travaillons pour l'Afrique. Nous sommes blancs, mais nous sommes purement Africains ouais, dans notre ADN. Petit, petit, euh, petite donc petite euh, précision quand même. Peut-être que les actionnaires... Non, sont, non, 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 non. Ils sont mais pas mais étrangers, ils sont en France. Bon, ils sont sympas, bon, sûrement. Bon. Mais attention, Djum, l'Algérie, en tout cas, est composée essentiellement d'Algériens. Oui, bien sûr, c'est ce qu'ils disent. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ce qu'ils disent. Non, mais je suis sérieux, Dorsan. Ça, ça reste une entreprise algérienne. Oui, oui, pas, non, pas, oui. C'est oui, 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 je... ça la, 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 la réplique. La réplique, il dit, est la forme. Ils disent, bah, non, 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 Alors, sauf que, dans le cas, le développement, il fait au Portugal. Que... Allez, Mais il n'y a pas de transfert de dividendes parce que c'est de la vente dans l'État et donc il n'y a pas de possibilité c'est je sais pas mais en tout cas <laughs> en tout cas je suis persuadé que leur argent doit rester en Algérie je non je pense que la l'Algérie la ah, si bah, je, on en profite en... je fais euh, continuons oui. continuons donc à qui profite le crime mais à qui profite le crime à qui profite le on peut avoir une vision holiste, bien évidemment si si as des commerçants qui mettent leur sur la plateforme de Zaline mais d'abord aux consommateurs. Et non, bah, oui, attends, bien on sûr. On commence par eux. Bah, c'est l'occasion euh... d'acheter des produits moins chers. Et <laughs> ouais, bien sûr, bien sûr. Après, je sais pas si c'est de la merde qu'on produit ou pas, mais, mais tu euh... choisis ton produit de ouais, toute ouais, façon et tu t'es marre, t'as qu'à aller au magasin, tu touches, après, tu gabbles le Black ça. Friday. Euh, aujourd'hui euh... Alors, euh, c'est intéressant ce que je viens de dire. C'est très intéressant. Um, Lead generation, uh, Yeah. <laughs> no, but uh, tr 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 <laughs> the traffic uh, generation, on en boutique, créer du trafic en boutique. But, 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 this is very interesting. Uh, is that uh, many, many people forget that um, when you are uh, working on the digital. Uh, Uh, it's very important to understand that it's not only digital, yeah. there is a part uh, physical. And so it's why today we are speaking about a physical. It's very important to speak about the physical. Donc c'est très important. Alors les gens, ils ont l'impression qu'il y a une. C'est comme les jeunes qui viennent nous dire Ah, monsieur, vous on a une start-up, c'est la fin des plateformes. Oui, c'est très bien, bravo. Et le lien avec le monde réel. Et je connais, je connais les vrais, je connais des marchés, je connais. comme ce LinkedIn Quand on parle de LinkedIn, il y a une armée de commerce. Est-ce que vous réalisez Donc, les gens qui viennent, ils tapent Allô, bonjour, tu veux une présentation des web, des trucs, des machins, des déplacements, des conférences, des trucs et des trucs. C'est comme ça que ça fonctionne, que ça devient un gros, une grosse licorne. <laughs> Parce que tout le monde imagine la licorne, je tout ça. Non, une grosse licorne avec sa corne comme ça, elle te tape, C'est beaucoup de travail dans le physique. Pour dans, ça le ça réel. dans le, réel, dans dans le monde ça qu'on On parle aujourd'hui de cette notion de « digital, ». C'est-à-dire que si tu penses ton business en tant que 100% « 100% digital », dis-toi bien que tu es en train de rater quelque chose dans, le, dans la partie physique qui va te donner le grand avantage. Donc aujourd'hui, les, les Jumia il a su mettre quand même en place tout un réseau logistique bah, il a refait ce qu'on fait euh, Amazon et, et, et AliExpress hein. sauf qu'il l'a hein. adapté au contexte alors je pense que Amazon attends, attends, attends. Amazon dans des pays qui mal enfin film américain l'Europe ça a été facile mais quand il a attaqué des pays en Asie des pays en Amérique latine ça a pas dû être facile hein. Écoute, et si on invitait un mec de Jumia à venir parler avec nous de Bien, de sûr, de bien sûr bien sûr je sais pas je, je les avais croisés une fois on avait fait un talk en même temps Allez c'est notre challenge ouais, pour

Merci. Le moment de solitude, carrément. Oui. Non, mais oui, oui, oui. S'ils si nous écoutent, bah, ils sont bienvenus. Mais c'est pas. T'as dit, c'est un challenge. Donc, qu'une avons ijo, une nous avons dit que nous que Le droit de réponse, mon ami. <laughs> Toi, que que je m'en connais. Tu bats une licorne, ça. Même où la Ken... Alors, il qui... faudra qu'on prenne le temps de montrer ça. C'est que ce qui est intéressant, alors je trouve Forbes. tu trouve les Africains. Ils ont plus d'un milliard de dollars. Les Roma, c'est des licornes au final. Ou allez, je vais aller créer des licornes. C'est bizarre. Parce que c'est peut-être pas des startups. Mais non, allez, startups, c'est des entreprises. Ils ont attaqué. Enfin, c'est des sujets qui gênent actuellement. C'est 3,7 milliards de dollars. de. Mais c'est pas. Suis, voilà, c'est ces entreprises. C'est ça. C'est son groupe qui pèse 3,7. Hein. Donc au final, il y a bien une entreprise qui, qui pèse 1 milliard. Mais on parle bien d'une valeur Il n'y a, a aucune start-up qui pèse 1 milliard qui peut encore s'appeler start-up. Bourse. Il euh, y en a qui ne sont même pas cotés en bourse. Bah, elles sont en licorne en devenir. Bah, mais ça y est, elles ont c'est même plus de la valorisation, c'est de la capitalisation à plus d'un milliard. Ah, ah, elle est rentrée. Bah, alors on en parlera à ça c'est intéressant. Je pense qu'on fera qu'on fasse un petit numéro rapide dans les jours dans les jours qui viennent, sur euh, l'entreprise de pétrole saoudienne qui est en train de rentrer en bourse. 5 minutes avec ça. La... Ça, va faire du black, black mal. Donc, ouais. à qui profite euh, aux, aux consommateurs, Bien aux commerçants, euh... aux commerçants, à Philippe, parce que souvent les, gens, les, les, les sites de, de vente en ligne, Alors, comme Jumia, si ça... sont des agrégateurs. Oui, ouais, hein, ils, bah, si... ils ont plusieurs commerçants, ils ont plusieurs boutiques à l'intérieur. Ben bah, oui, euh, si. Euh... <laughs> si on imagine que tu as un petit fournisseur qui veut vendre d'un coup une grande quantité à un moment donné, il peut se préparer au Black Friday. Bon après, c'est du business, hein. ça reste toujours à, à, à libre... C'est bien aussi parce que ça formalise aussi un, un, un marché informel, quelque part. Je sais pas. Ça, c'est des bonnes questions qu'on pourrait poser à Jumia parce que c'est à la limite. À la limite. bon on, on leur fait pas de procès pour l'instant non non, non 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 je, je pense pas que c'est pas un procès c'est à dire que c'est ça pourrait être une solution mais je l'avais dit à la conférence sur les startups que euh, vous devriez euh, embrasser euh, toutes les startups qui viennent vers vous au sens euh, oui, embrasser oui, oui. les accueillir euh, voilà les accueillir parce que en fait euh,

donc, au final, ils n'ont fait que réglementer ça. Et la start-up, elle, elle a un cadre légal, une assise légale. Elle s'est battue, Ils se sont battus hein, pour avoir un, un contexte. Des oui, mais, des mais ça, hein. ça a bien avancé. Il y a ah, eu, y a eu euh, je, euh, du coq à euh, euh, Les taxieurs euh, d'Alger, euh, enfin, je ne sais pas si d'Alger ou d'Algérie, euh, euh, ils ont fait une grève. Euh, Contestation. Euh, alors, euh, tout le monde dit, oui, mais comment Ah là là Mais, si on a les BDW, les VTC, on a bon, on a les taxieurs, on a mais ou je dit business model tu donc euh, où il y a dans de, certains pays et certaines euh, circonscriptions dans certains pays Uber est un, a été interdite Barcelone il n'y a pas d'Uber euh, arrêtez non mais c'est normal Barcelone les taxis étaient gentils et ouais tech gentil ma c'est un bras de force dans la concurrence entre boîtes le, le client c'est à la fin c'est à la fin c'est à la fin pas, euh, là il y a un marché Exactement, on se bat pour Il y, y a marge. des revenus qui sont distribués Exactement. parmi un certain nombre d'acteurs en l'occurrence les taxiaux parce que c'est une activité Exactement. réglementée OK les taxiaux là ana ana wlid houma f Alger djalna Allah yerhamou kan taxiaux toute la vie tout nous onشوفo talab taxi w meti la cravate w menna wesh wesh oui, il ses impôts, il avait sa licence. C'est-à-dire que, euh, que parfois, on a tendance à généraliser comme ça sans réfléchir. Et je dis, bah, en fait, la problématique, elle est là. Il faut réglementer, c'est tout. C'est-à-dire que tu ne peux pas euh, faire supporter euh, aux gens honnêtes, taxis, euh, qui sont honnêtes, travailleurs, qui se lèvent le matin de bonne heure jusqu'au... Ils font plaisir à leurs clients, ils sont polis, etc., etc. Leur faire pas, euh, supporter des taxes, etc. Quand de l'autre côté, les autres, ils ne supportent pas et qu'au final, c'est de la concurrence déloyale. Pour le même service rendu. C'est de la concurrence déloyale. Oui, en oui, plus, euh, je suis un taxi, c'est plus sûr que n'importe quel autre VTC. Très c'est, c'est, c'est manqué. On peut en discuter. Ça, oui, ça, mais euh, non, On peut Il y a une, il un, il y, y a une réglementation qui te parle. En cas d'accident tu n'es pas couvert dans l'autre point bas il n'y a pas est-ce que le motomobile a une RC pro est-ce que le motomobile mais un dos qui te dans le cas d'un transport excellent question nous allons en parler avec euh, bah on peut inviter les, nos amis. Les, les, les amis de VTC de absolument A1, qui absolument nous absolument pas légal moi je les... voulais les légal du VTC absolument pas accepte non Beb. un assureur un, un assureur <laughs> aussi un assureur un assureur, un un assureur, être, un un assureur risque d'avoir ça serait bien d'inviter un assureur et quelqu'un des VTC je sais que je sens nommé de non pour ne pas faire de pub aux VTC au <laughs> j'avais fait une conférence où il y avait le légal qui avait dit oui on a fait des actions avec le ministère parce que ça a été les premiers à, ouais. à pousser plus que les autres donc on pourrait je pense l'inviter à venir parler donc il y aura les gens de Jumia les gens de ISL légal et c'est des sujets même où là

c'est d'y dégoûter. Ou d'y dégoûter à la carrière, si tu peux dégoûter à n'importe qui. Enfin, moi, je ne pas ce que ça veut dire. Méchant, méchant, méchant. Ne chat, ne chat. Bon, alors, notre challenge, c'est de... Oh mon Dieu. Oui. Donc, semaine prochaine, on a quelqu'un... Je ne sais pas semaine prochaine, mais on va s'organiser. On a quelqu'un de Jumia ou quelqu'un de YSL ça, ça doit ouais ou, 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 ou les autres VTC aussi s'ils si ont un légal qui peut nous expliquer bah ça dépend mais ça moi ouais. je préfère uh, YSL c'est bon alors, il a fait, tout le, boule, premier, il a fait tout le premier il a fait le premier machin YSL c'est Rosenne Rosenne ça serait bien qu'il vienne parce que je comprends pas comment il a raté uh, sa communication il a été le premier ouais. qu'est-ce qui s'est passé merde qu'est-ce qui s'est passé voilà j'ai dans ce coup shouf. Euh, et Yassir, ça a été le premier à avoir le plus de clients. Et donc, du coup, euh, euh, être confronté le plus rapidement à ces problématiques. Donc, il a fallu qu'il les règle, je suppose. En plus, il y a des gens que je connais euh, euh, qui sont euh, bien dans leur tête. Donc, forcément, ils étaient consents. Ils voulaient faire les choses bien. Et voilà, quoi. Donc, du coup. Euh Black Friday à part euh, Jumia le 26, il y a d'autres sites électroniques algériens qui qui le pratiquent oui il y a je, à, euh, je sais Algérie pas. Store, oui, euh, non, je, je prends qui euh, euh, Alors, euh, tu as, as déjà cité les, les majeurs. Non, il y en a d'autres. Hein. Il y a l'autre, DZ Chopi, c'est de CD Blabess. Euh, alors, moi je suis pas très... Alors, ce qui est bizarre, je le dis très souvent, je suis quelqu'un de super, super digital, mais je n'utilise pas le de... <laughs> انا عنديش لابليكاسيون تاع لي في سي والله ما دو <applause> عندك ماشي ما أه... ما عنديش لا لا عندي طوموبيل <applause> ماشي عندي <applause> طوموبيل <applause> وكاين دي طاكسي من داك نكون في البيرو في الفوق باش نهبط اجي نحب أه... ندير طاكسي على لونسيان يعني و يدقوا على شويه يعني عليا و نطلع يكون مش نوف واش اليوم كيف هذا يقول يعني... باسكو انا كبرت هكا سي ان ديليغ ذاك ندير البوس Et bien, hello. Mais c'est vrai que parce que je suis pas confronté, je suis pas confronté à cette problématique en permanence. C'est vrai, c'est vrai. C'était deux cas. Ouais, c'était <laughs> oui Bah, ben, je, je pense qu'on est parti en cacahuète. Je sais pas ce qu'ils vont retenir. À retenir que c'est bientôt Black Friday. Que Black Friday, c'est. La base. Euh,

et après donc nous continuons aujourd'hui Black Friday ça n'a aucun, aucun lien avec ça Mais non attendu, oui bien sûr, bien sûr à part si on considère que le consommateur Mais est l'esclave les le moderne hein, l'esclave de, de la consommation euh, c'est un autre débat on est l'esclave en tout de cas de c'est la, la période à laquelle vous pouvez faire de bonnes affaires sur l'ensemble des sites marchands de, de la planète acheter des choses pas chères faites attention toujours à l'arnaque et ce type de choses puisqu'il y a toujours la qualité du produit à checker à vérifier et, un certain nombre de lois vous couvrent vous protègent en termes de

Ouais. En tout cas, il y a aujourd'hui un contexte légal, un cadre légal qui protège les consommateurs et leur pas forcément euh, du sens pour les entreprises. C'est une, autre, mets, un une autre côté, autre histoire. C'est la balle, euh, parce qu'il y a d'autres côtés, mais comme et tous les sites. En tout cas, le commerce électronique essor, grand projet algérien. Euh, probablement levier de croissance euh, intéressant. Mais, mais euh, alors Jumia, ouais. par contre, euh, dans beaucoup de, de communications qui vont, sur, en parlant de l'Afrique, entre autres l'Algérie. Euh, ne parle pas de concurrence comme de Amazon et tout ça, voilà, ils sont pas là. Ou des petits concurrents locaux, mais au contraire la petite concurrence, c'est de la culture blablabla. Bla. Mais la vente sur les réseaux sociaux et les, les Viber WhatsApp, ils la sentent. Et je pourrais vous parler la prochaine fois d'un jeune étudiant que j'ai croisé, pas con l'animal, pas con. Il fait, il a un très beau petit business model à base de Facebook. Oui, alors il y a aussi énormément de marketplaces Facebook qui sont, qui sont ouvertes. Pour alors, eh ben, tu vois, le, on, ça n'a pas fait son effet, marketplace de Facebook. Ah, si, si, j auprès de moi, en tout cas ma femme, moi, elle fait pas Mais mal de je choses sais sur pas, Facebook. Ça serait bien qu'on fasse une petite étude. On on peut je, dire, je vais ouais. essayer de lancer une petite ouais. étude chez ah, nous. Alors, on partagera aussi les résultats, ça et on a terminé notre petite étude sur le e-payment. Ah, excellent, voilà, donc excellent. On, on partagera ça aussi. Commerce électronique, e-payment, aujourd'hui, ce n'est pas encore euh, le mariage, hein, ce n'est pas encore de non. choses euh, qui, ça sont, venir, qui sont liées. Ça, ça, ça viendra. Aujourd'hui, euh, les cas comme de, les exemples que nous avons, comme Jumia et euh, Batolis, euh, Algeristore, etc., nous prouvent que finalement, on peut faire du cash and delivery euh, oui, oui. Euh, tranquille donc du paiement à la livraison. Tout ça, c'est les, les TC qui l'ont prouvé. Les prés ont prouvé absolument. Ouais. Il y a une prise de risque à prendre, ah oui, évidemment, oui. ce, ce qu'on va appeler le déchet. Euh... Ben, eh ben, Jumia, sur les chiffres, en, on, je t'ai dit, c'est à peu près enfin, ce qui est annoncé maintenant à Jumia de démentir et de prouver. Jumia Algérie ou du Monde euh, euh, Afrique. Ouais, ouais. <laughs> Afrique, oui. <Ouais. rire> Ils n'ont pas trop le choix. Euh, c'est euh, 41% de retour euh, de collines en acheté. D'accord. Bon, ça peut être compensé par un taux de marge intéressant, mais euh, ah, on bah sait que... Et si le taux de marge maintenant devient trop intéressant, c'est qu'il y a un problème à le, les fournisseurs. Absolument. Et ça absolument. devient de l'exploitation. Absolument. Et voilà le Black Friday qui repointe du. Ah, bah, je suis en Dès qu'ils font un pas de travers, <laughs> ils vont s'en prendre faire la gueule. Second. Voilà, là, 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 je crois. Là. Bon, mais marché miné. C'était le commerce électronique <laughs> en Algérie, spécialement autour du Black Friday. Nous chaud. inviterons probablement des acteurs euh, la semaine prochaine, en tout cas pour nous parler de, bien sûr, bien sûr. des promos qui seront en cours ou de ce qui va se passer. Et euh, à partir de là, vous aurez une meilleure visibilité sur la chose. En tout cas, pour les commerçants, ça, leur, ça les aide à liquider. Voilà. appelons ça comme ça les pour humains, nous consommateurs nous... ça <coughs> peut nous permettre de, bah, de s'approvisionner à, à, d'acheter nos produits à Exactement. un prix intéressant opportunité <coughs> <par> <coughs> ka voilà. bah bah pour les start-up sur ça aujourd'hui la vraie opportunité c'est sur la livraison alors oui mais prochain start-up je ne pensais pas à voilà. ça parce que la prochaine potentielle licorne africaine ça risque d'être une start-up de la livraison c'est possible. Maintenant, Mais moi, je pensais à autre chose. Elle est, elle est identifiée. Je vous en parlerai la prochaine fois. Je te pensais à autre chose ah, quoi. Moi, je pensais aujourd'hui à un comparateur de prix. Ah, bah, ça, c on pourra inviter Karim Sidisari de nous parler de réel Mais pas n'importe quel comparateur de prix. Ah, de prix. J'allais dire une connerie là. De prix de chat. <rire> <Voilà>. <rire> non, un comparateur qui pourrait oui. t'alerter sur la bonne affaire en, se en comparant les prix avant soldes pendant seul. Il y a ça et euh Faut dire, je me suis pas sur CAL, le site. euh j'ai eu cette discussion pas très longtemps et je crois avec KMC Diceide, on va l'inviter et on, parle et on à en, en parlera. C'était de, de car oui. avec Karim Bourri oui. Oh je fais peur. Oh, putain, il, faut il me des <laughs> faut des vacances. Tu nous dis un petit ciao, ho. Je vous dis à toutes et à tous, ciao ciao. Merci, merci ya de ta... votre o, écoute. Allez, salut salut. Ciao ciao. C'était ciao.